Bonjour tout le monde, c'est Eddie et Pog. Nous allons vous montrer comment faire la trottinette des tricks de base. Si vous ne savez pas c'est quoi des tricks, c'est des figures. Genre, comme un trampoline, gymnastique, backflip et tout. Je vais vous présenter Pog. Bon, caméraman, veux-tu venir nous suivre? Veux-tu bien nous suivre? Ok. Attention pour pas te péter la gueule sur les mains. Bon. On est en vidéo. Bon, nous allons vous montrer comment faire Ollie. Dans le fond, vous forcez ici, vous sautez vos pieds avec lui. Vos mains vont le transporter, ça va faire ça. Bon, bonne idée. Ok. On fait? Ben, bonne idée. C'est la même affaire. Ta roue avant, on lève notre roue avant. Ouais, on fait ici avec ta roue, puis. Bon. Puis pour faire 180, il faut savoir faire venir. Parce que si je fais un lit et un essai à 180, c'est pas mal. Ouais, là, j'ai comme réussi, là, mais cette roue-là, elle a pas. Oui, un peu, là, mais. Bon, on va vous montrer 180. Je ne l'ai pas toujours, donc je ne serai pas un bon apprentisseur pour ça. Donc, moi, je t'en ai un. Mais en fait, pour faire un bon IA, moi, je vais l'avoir faire un bon IA, mais pendant qu'on est ici, on tourne, puis elle va le jouer ensuite. Peut-être je vais l'avoir, hein. Puis ici. Viens ici. Ouais. Ah. Merde. Je manque toujours d'avoir un sac à trois et t'es lourd. On va me montrer comment faire du manuel. Ben, du manuel, c'est du web. Tu lâches ta roue comme ça, mais tu essayes de tenir le pourcentage, tu peux donner ça. Mais en plus, si vous êtes bon. Bon, on peut nommer l'autre et nous faire. C'est comme. Ben, c'est le manoir inverse. C'est du Nolly. Nolly, ben, c'est simple. Il faut que tu fasses. Tu lèves ta roue. Ben, ta roue. Moi je m'aide avec ici là notre bedon, mais on le colle ici, bien on donne le coup, puis ça va faire ça. Fait que moi ça m'aide beaucoup. Bon. Et c'est très difficile d'en faire. Surtout pas essayer quand vous n'avez pas d'assurance maladie. Ah, une autre chose, c'est pas trop mal. C'est comme un honey, mais de côté. Ok, moi j'ai presque. Bon, moi je vois quoi? Oui, il a toujours sauf qu'il se plante sur la terre. Non, je sais pas. On n'a pas de la wax. La wax. Fait qu'on prend comme la tôle. Mais je sais pas si vous savez c'est quoi de la wax. Si vous savez pas, ben de la wax, ça,
Ça, ben, pour le métal, c'est mieux glisser. C'est comme si tu glisserais sur du métal, mais ça fait pareil si tu mets de la soie. La soie de chandelle. Admettons, la wax, c'est faite avec de la soie. Fait que là, tu vas prendre grip. Ouais. J'ai déjà préparé quelque chose avec de la terre. Je l'ai pas toujours. Essaye. Go. Mais dans le fond, le truc là, ici sur le béton, c'est une même. Mais là, si on a de la wax, ça va glisser là. C'est ici. Là, on met notre trou bien droit pour que la deck suive. Il faut avoir au moins la moitié de la deck, mais la roue, c'est. Il faut être sûr qu'elle touche pas, sinon on va se planter, c'est sûr. Ah, puis aussi, si vous voulez faire de la slide sur une rampe, ben il faut que vous soyez comme ça, un peu en diagonale. Puis il faut que vous s'assurez que c'est bien dans le milieu. Sinon, vous avez un contrepoids. Et si c'est une rampe, genre en rond, faut pas que vous attendiez jusqu'à la fin, hein. En gros, si ça va être de même. Imaginez que ça stoppe tout d'un coup. Fait qu'on est comme de même. C'est normal. Tac! Tu tombes raide. Puis, il n'est pas risqué de faire de quoi. Non. Ben, risquez-vous, mais dans un bac de mousse. Ouais. Le bac de mousse, c'est tout simplement une espèce de grosse piscine remplie de carré de mousse. Ben pas de mousse. Puis il y a aussi Tail Whip. C'est bon là, mais... Donc, on fait un bunny hop. Mais dans les heures, on donne un coup avec nos pieds. Puis après ça, on fait ça avec avec la barre. Bon, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Pousse like si ce n'est pas fait. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Peace.